criminel. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. CC Raphaël Abba et plusieurs autres. Professeur Hassan Ba. La défense a la parole pour les questions. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Ouais, juste deux petites questions. Monsieur le Président, merci de m'avoir donné la parole. Respectable assesseur. Professeur, bonjour. Professeur, juste trois petites questions de précision. Est-ce que vous avez reçu des cas de mort suite à de la prétendue torture en provenance du camp Koundara? S'il vous plaît, reprenez la question. Je dis, est-ce que vous avez reçu des corps, c'est-à-dire des cas de mort, des suites d'une prétendue torture en provenance du camp Koundara? Est-ce que vous les avez reçus au niveau du CHU Ignace Dine ou de Donka? Pendant la même période? Oui. C'est non. Très bien, merci. Professeur, et je m'approche un peu à quelques questions du ministère public. Est-ce que les cas de mort que vous avez constatés, est-ce que vous avez enregistré des cas de mort dus à de la bousculade? Bon, vous savez, maître, ce que nous on peut dire, ce sont les lésions que nous avons rencontrées chez les victimes. Lorsque c'est une bousculade suivie de violence, oui. Lorsque c'est une bousculade suivie de compression thoracique ayant entraîné une asphyxie mécanique, oui. Mais une bousculade, s'il n'y a pas de lésion, on n'a rien à voir. Très bien, professeur. Et est-ce que, donc dans ce cas, vous avez tout à l'heure énuméré des cas où vous avez spécifié, et comme on appelle, les différents cas de mort, les causes des différents cas de mort? Oui. Donc, est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre qui correspondrait à ce cas, c'est-à-dire dû à cette bousculade? Un chiffre. Bon, monsieur maître, vous savez, encore une fois, j'ai parlé des morts dues à une asphyxie. Et mon travail n'est pas de dire qu'il y a eu bousculade parce que je n'y étais pas au stade. J'ai examiné les corps à la morgue. Donc, je ne pourrais pas décrire les circonstances. Mais encore une fois, j'ai eu des cas chez lesquels il y a eu des signes en rapport avec une asphyxie mécanique. Est-ce que cette asphyxie est consécutive à une bousculade ou à une compression du thorax ou quoi? Mais s'il n'y a pas de lésion, encore une fois, il n'y a pas de lésion. Donc, je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas. Merci, professeur. Votre réputation vous précède. Professeur, pendant votre laborieux moment de travail, est-ce que vous disposiez de ressources, tant financières qu'en personnel, suffisantes pour mener à bien votre mission ce jour? Oui, très bonne question. La médecine légale a été toujours un parent pauvre, la médecine, ça il faut le dire de passage. Les ressources, non. Parce que il n'y a pas de frais de justice. Il n'y en a pas. Ce n'est pas seulement pour les cas du 28 septembre, c'est pour tous les autres cas, il n'y a pas de frais. J'ai toujours plaidé pour qu'il y ait des frais de justice, mais il n'y en a pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? C'est que pour la gestion des corps, pour la préparation des corps, nous avons exprimé le besoin en formol, en alcool, en liquide, en intrant, tout ce qu'il faut pour mettre pour la préparation, les soins de thanatopraxie. Et
On nous a servi. On nous a servi quelques produits, hein, même si on n'avait pas à suffisance. Mais ce qui nous a permis quand même de maintenir les corps dans l'état que vous les avez vus jusqu'à la fin. Donc, c'est le ministre de la Santé qui gérait ça, avec le directeur de l'hôpital. Moi, je ne faisais qu'exprimer le besoin et je voyais les médicaments et les produits. Merci, monsieur le professeur. Merci, monsieur le président. Honorable assesseur, merci. Merci, monsieur le président, monsieur les assesseurs. Professeur, bonjour. Oui, bonjour. J'interviens comme vous l'avez introduit, selon votre plan évoqué tout à l'heure. Vous avez fait état de trois parties. Oui. Un, la réception des corps. Deux, l'identification des corps. Et trois, la restitution, si mémoire est exacte. Non, trois, c'est la cause et les circonstances de décès. D'accord. Très bien. Alors, professeur, et le fait d'avoir prêté serment devant les cours et tribunaux de la République vous confère la qualité d'expert en médecine légale. Absolument. À ce titre, vous êtes sous l'autorité directe de M. le procureur. Tout à fait. Bien. En ce qui concerne la réception des corps pour aller droit au but, est-ce que le ministre de la Santé, à l'époque, a qualité de vous déposer des corps? Bon, écoutez, déposer les corps, moi je pense que les corps ont été ramassés au stade du 28 septembre, et mis dans des camions et déposés à la morgue. Très bien. Qui dépose, est-ce que qui a la qualité? Moi, j'ai reçu les corps. Parfait. Voilà. Alors, ce qui veut dire que lorsque vous avez reçu les corps, vous n'avez pas cherché à savoir qui les a envoyés. Non, c'est bon. Ce qui m'intéresse, c'est les corps. Parfait. Bien. Alors, lorsque je m'intéresse au point 2 de votre déposition, en ce qui concerne l'identification des corps, vous avez fait état de trois camions qui ont acheminer les corps auprès de l'hôpital Ignace-Tine, n'est-ce pas? Oui. Le premier camion contenait l'effectif de 21 corps. Oui. Le deuxième, l'effectif de 7 corps. 7 corps. Et le troisième, 15 corps. Oui. Bien. Professeur, ces corps respectifs au nombre de 43. Oui. Ont connu une série. C'est-à-dire une partie est restée à Ignace-Tine, faute de capacité d'accueil. Mm-hmm. C'est ça? Oui. Bien. Et l'autre est allée à l'hôpital d'Anka. Bien. Alors, je voudrais savoir, les 31 corps qui ont pu être identifiés ont été directement restitués aux parents. Oui ou non? Oui. Bien. Les autres 27 corps, si ces 27 corps avaient été effectivement identifiés comme les précédents, les 31, est-ce que l'exposition allait avoir lieu à la mosquée Faisal? Bon, je ne sais pas pourquoi on va exposer quelque chose qui n'existe pas. Bien. On expose s'il y a un corps. Pour... Très bien. Alors, tout à l'heure, il y a une confession qui a été sémée par le parquet quant au nombre qui ont été exposés à la grande mosquée Faisal de Conakry. Puisqu'ils ont écouté les uns des autres ici, que c'est un chiffre de 57 corps. Et vous, en tant qu'expert en la matière, étant membre de la commission, vous avez effectivement restitué 27 corps en présence de la commission de restitution de corps, présidée par ministre Koutoubou. Oui ou non? Affirmatif. Parfait. Alors, lorsqu'on s'intéresse au calcul, en premier état, les 31 corps qui ont été restitués directement aux parents parce que ces corps ont été identifiés, bel et bien, et les 27 corps qui ont été exposés, fait l'objet d'exposition, le chiffre toujours revient à 58. Oui. N'est-ce pas? Affirmatif. Bien. Alors, heureusement que vous étiez présent ce jour-là. Oui ou non? À la mosquée Faisal, professeur. Oui, j'y étais. Bien. Très bien. Alors, est-ce que, monsieur le ministre de la Santé à l'époque, vous avez travaillé pendant cette crise ensemble?
si on a travaillé ensemble. Par rapport à la gestion de cette liste, est-ce que ça faisait partie? Sur le plan administratif, entre le ministre de la Santé et moi, il y a le directeur de l'hôpital. Oui. Ça, il faut le savoir. J'y arrive. Allez-y. Oui, il y a le directeur de l'hôpital. Voilà. Alors, le ministre de la Santé, il arrivait qu'il me demande des informations, soit au téléphone, ou bien qu'il demande à travers le directeur de l'hôpital de lui envoyer un rapport. Ce que je faisais de façon régulière pour lui dire, oui, monsieur le ministre, à ce jour, on a tel nombre de corps et les corps sont dans tel état. Je lui donnais ces informations, mais pas plus. Pas plus. Bien. Et si j'ai besoin, par exemple, du formol, j'exprimais le besoin. Je remettais à la directrice de l'hôpital Ignacine à l'époque et qui transmettait ça au ministre de la Santé. Bien. Alors, est-ce qu'il vous a demandé un rapport circonstancié par rapport à cette gestion, ne serait-ce que peut-être verbal? Le ministre de la Santé, oui, je pense que je le rendais régulièrement compte. Hein. Chaque fois qu'il me posait des questions par rapport à la gestion des corps, où nous en sommes, quel est le problème, oui. Je pense que je le rendais compte et puis je lui ferais des petits rapports. Bien. Alors, avec la permission de Monsieur le Président, lorsque Monsieur le ministre Abdelchérif Diaby avait été entendu par le pôle des juges, à la question suivante, il a répondu ainsi. On lui a posé la question de savoir, il ressort de certaines déclarations des victimes et du rapport d'enquête que certains corps ont été subtilisés des morgues, des hôpitaux, pour être transportés ailleurs. Qu'en dites-vous? Il a répondu. Je ne peux rien dire parce que moi je ne connais pas. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, oui. Il n'a pas fini encore. Et il a répondu ceci, c'est faux. C'est le professeur Hassan, médecin légiste, qui gérait des corps dont aucun n'a été subtilisé. Professeur, oui. Le chiffre que vous avez déclaré, le chiffre qui a été déclaré effectivement lors de l'audition de colonel Diaby ici, est le même. Est-ce qu'on peut dire par là que les 58 corps qui ont été annoncés de manière officielle, est-ce que ces corps ont été subtilisés? Bon, maître, écoutez, moi ce que je peux vous dire, oui. J'ai reçu 58 corps. Je vous ai décliné la chronologie de réception de ces corps. Et ce sont ces corps que j'ai gérés et j'ai restitué 31 corps. Il est resté les 27 qui ont été exposés et après enterrés au cimetière de Cameroun. Moi, le reste, je ne connais pas. Bien. Au sein de l'hôpital Donka, tout à l'heure, je vous ai écouté avec intérêt. Vous avez dit, vous étiez obligé de procéder à la libération d'espace. Absolument. Est-ce que cette décision émane directement de vos compétences? Est-ce que vous avez à attendre l'instruction d'un ministre quelconque pour ce faire? Non. Lorsqu'on vous confie quelque chose à gérer, même si c'est dans votre maison, c'est vous qui aménagez pour savoir comment vous allez les gérer. Moi, on m'a remis les corps. Vous avez la mission de garder ces corps et de les conserver, de les restituer en bon état. Qu'est-ce que je dois faire? Avec le peu d'espace que j'ai, il fallait que je trouve les moyens de le gérer. C'est pour cette raison que j'étais obligé de mettre les corps deux à deux et quelquefois trois dans une chambre en fonction de la taille de personnes décédées. Donc j'ai fait la même chose à Yansdine, j'ai fait la même chose à Donka pour pouvoir les gérer. Et les corps qui étaient dans un état plus ou moins, je vous ai dit au début j'avais 11 corps qui étaient en début de putréfaction, naturellement... Dans la batterie des priorités, ces corps qui sont en état de putréfaction sont prioritaires pour les mettre en chambre froide. Donc les corps qui étaient plus ou moins intacts étaient embaumés et puis on les laissait sur la paillasse. Donc ça, c'est une gestion interne. Je n'ai pas besoin d'une autorisation par rapport à ça. Ma responsabilité est engagée si toutefois les corps sont dans un mauvais état. Très bien. Mais on m'a dit de confier et de gérer. Très bien. Bien. Alors, la Croix-Rouge, vous avez dit tout à l'heure que la Croix-Rouge a... inhumer les corps. Ben oui. Cette décision également, de cette inhumation, venait de vos compétences. Oui ou non? C'est la Croix-Rouge qui a la qualification d'enterrer les corps. Ce n'est pas la médecine légale. Bien. Alors, professeur, puisque vous n'avez pas reçu une réquisition quelconque du parquet près du tribunal de première instance de Dixie, en ce qui concerne éventuellement de l'autopsie, de pratiquer l'autopsie sur les corps, est-ce que votre responsabilité à ce niveau-là peut être engagée? Non?
Non, pourquoi? Mais je n'ai pas compris la question. Est-ce que votre responsabilité est peut-être engagée parce que vous n'avez pas reçu une réquisition du parquet près du tribunal de Dixi pour l'autopsie, par exemple? Je ne vois pas en quoi ma responsabilité pourrait être engagée. Parfait. C'est peut-être, comme je vous ai dit, si je m'étais hasardé à faire l'autopsie, à ouvrir les corps et tout ça, j'ai vu, je pense que les victimes, peut-être, auraient pu porter plainte contre moi pour profanation. Donc, c'est pour cette raison, tout ce que j'ai fait, ça rentre dans le cadre de l'exercice de la médecine légale. Que ce soit l'identification, c'était de fait. Hein? Bien. Tu as tout, voilà, allez-y. Bien. Alors, puisque votre responsabilité ne peut pas être engagée à ce niveau parce que le parquet de Dixi n'a pas fait son travail, par ricochet, est-ce que le ministre de la Santé peut être intéressé de cet état de fait? Moi, je ne réponds pas à ça. Je pense que ça, c'est... Bon, je ne discute D'accord. pas les problèmes de responsabilité. D'accord. Posez-moi des questions en relation avec ce que je fais. Je viens également, monsieur le professeur, s'il vous plaît. Alors, en ce qui concerne du comité de gestion au niveau de l'esplanade de la grande mosquée Faïsa de Conakry, vous dites que ce comité était présidé par le ministre Koutoubou. Affirmatif. Vous dites, vous ne faisiez pas partie de ce comité, mais vous étiez présent. Vous étiez membre de ce comité quand même. Oui. Bien. Parce que je suis le gardien des corps. Très bien. Alors, au niveau de l'administration des morts, professeur, oui. Est-ce qu'il existe une série d'administrations en ce qui concerne l'entrée et la sortie des corps au sein de la morgue? Écoutez, au niveau des morgues, il y a des gestions, il y a des livres de gestion des corps. Il y a un livre d'entrée des corps. Les corps sont identifiés, ils sont enregistrés. Celui qui a déposé le corps est enregistré. Et puis on affecte le corps dans une chambre froide, il est numéroté. Donc ça, c'est une gestion des corps. C'est pour éviter tout ce que vous savez, hein. Bon, l'échange des corps, ça on a déjà vu dans plusieurs oui. circonstances. Et donc c'est pour assurer, actuellement, depuis qu'un certain temps, on a tout digitalisé, donc tout est informatisé. Alors, ce qui veut dire que les corps qui sont venus par votre décision, au niveau de Donka, ces corps, le jour de l'exposition, ça veut dire que leur sortie de la morgue, effectivement, il y a effectivement des traces qui étaient là. Les traces de sortie de la morgue, à travers une équipe qui était mise en place ici. Écoutez, il faut toujours vous mettre dans les... C'est-à-dire que l'esprit, là, dans quel esprit on était au moment des faits. Oui. Parce que c'est possible, c'est bien facile a posteriori de voir tous ces détails-là, être mis... Mais attention, on était dans une période où, d'abord, on était honnêtement pressé de restituer les corps. Parce que leur gestion était déjà très difficile. Difficile parce qu'on n'avait pas assez de place, difficile parce que les corps commençaient à se décomposer. Et dès qu'on a eu l'autorisation de restituer les corps, bon, pour nous, c'était du pain béni. Et tout ce qu'on a pu faire, c'est de dire, bon, recensez-moi les corps qui sont à la morgue de Donka. Ils ont une fiche parce que les corps n'ont pas été identifiés, donc on ne peut pas dire ça c'est Bas, ça c'est Diallo, ça on ne peut rien dire. C'est le corps de telle chambre, on les a mis, on les a préparés, on les a mis dans des linceuls et puis on les a amenés directement à l'esplanade du palais. Donc cette procédure d'enregistrement et tout ça n'était vraiment pas... Bon, même si c'est normal que tout soit enregistré, elle n'a pas été faite, mais on a essayé seulement de libérer les chambres et puis d'amener les corps dans l'esplanade de la grande mosquée. Bien. Professeur, vous avez dit ici que les morgues n'ont jamais été fermées. Vous confirmez? Oui. On ne peut pas fermer une morgue. Très bien. Jamais. Alors, à la question du parquet ici, de savoir est-ce que les deux hôpitaux ont été militarisés, vous avez répondu qu'effectivement qu'il fallait qu'une équipe militaire soit en place pour sécuriser les lieux. Vous confirmez cela aussi? Oui, je confirme. Cela constitue également la possibilité pour les parents ou en tout cas les victimes qui sont ici présentes ou bien des blessés des morts que ces lieux soient sécurisés pour la bonne gestion de la crise. Bien.
Professeur, avant ces événements douloureux, est-ce que vous avez eu à collaborer avec colonel Diaby en tant que ministre de la Santé? Oui, bon, je connais le colonel Diaby. Je l'ai connu, je crois, d'abord en tant que, si je me trompe, étudiant. Je l'ai enseigné. Ensuite, je l'ai connu en tant que médecin. Et puis, ministre, ça, c'est, vous savez, le monde médical est trop petit. On se connaît tous, je le connais. Je le connais. Bien. Et pourquoi j'ai posé cette question? Je voudrais simplement savoir, est-ce que, pour un seul instant, vous avez pu peut-être reprocher à colonel Diaby dans son métier de médecin ou alors dans votre rapport professionnel? J'ai pas Ça a compris. Été une seule fois? J'ai pas compris. Est-ce que une seule fois vous avez pu reprocher pour un fait quelconque au ministre Diaby à l'époque pour n'avoir pas fait ceci, pour n'avoir pas fait cela? Ah, bon, vous savez, les relations entre moi, le ministre, c'est le ministre, hein. Oui. Voilà, s'il me pose des questions, je réponds. S'il me donne des instructions, j'exécute, c'est tout. Donc, d'un point de vue hiérarchique, vous ne relevez pas directement du ministre de la Santé, plutôt du directeur national de Donka, de l'hôpital. Oui, oui, s'il faut respecter la hiérarchie, il y a la direction de l'hôpital et ensuite il y a le ministre de la Santé. Ça veut dire que lorsqu'une décision est prise par le département de la Santé, ce n'est pas directement concerné à vous, mais plutôt à votre hiérarchie directe. Oui, à mon hiérarchie, à ma hiérarchie. Et puis bon, peut-être... il arrive des fois, si c'est urgent, qu'il m'appelle directement. Et puis, il n'y a pas de... Bon, il y a une bonne relation avec ma hiérarchie. Donc, elle m'informe également. Je pense que tout ça, vraiment, il n'y a pas de problème au point de vue, dans le cadre de la collaboration entre moi et la hiérarchie. Vraiment, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Le ministre Diaby a déclaré ici, lors de son audition, que lorsque la crise était ici, il a sollicité auprès de la présidence, à l'époque, capitaine Dadis était aux affaires, pour des moyens soient mis à leur disposition pour la bonne gestion de la crise. Est-ce que ces moyens, parmi ceux-ci, vous pouvez citer l'envoi des éléments nécessaires pour la gestion des différentes victimes? Moi, je ne sais rien, honnêtement. Tout ce que je vous ai dit là, oui. C'est-à-dire que si j'ai besoin du formol, oui. J'ai besoin d'alcool, j'ai besoin du coton, j'exprime le besoin, c'est acheter et un peu on m'envoie. On ne me donne pas l'argent pour gérer, on ne me donne rien. On me dit, voilà, tu as besoin de quoi? J'ai besoin de 50 litres de formol, j'ai besoin de 20 litres d'alcool, j'ai besoin de 30 litres, kilos de choses, j'ai besoin d'azote. C'est ce qu'on m'envoie. C'est eux qui achètent et qui mettent les produits à ma disposition. L'hôpital Kamsar avait été mis en contribution pour l'envoi de formol ici, pour pouvoir compléter, n'est-ce pas, le manque. Vous avez été mis au courant? Non, il faut demander le ministre. Moi, c'est pas celui qui sait où il prenait le formol. Je sais qu'à un moment donné, on était en manque de formol. Et donc, je sais pas, ils ont envoyé peut-être de Kamsar, ensuite de la Sierra Leone, et même quelquefois d'Abidjan, je sais pas. Mais chaque fois que j'ai demandé, ils m'ont amené, même si la quantité quelquefois n'était pas suffisante, mais on m'a toujours donné quelque chose. Alors, lorsque vous avez sollicité auprès, n'est-ce pas, du laboratoire français, n'est-ce pas, et oui. Pour pouvoir identifier l'ADN des uns et des autres, alors, ces efforts que vous avez fournis, c'était pour pouvoir identifier encore plus davantage des corps qui étaient déjà non identifiés sous cela, pour permettre aux parents d'accéder à leur corps. Affirmatif, c'était pour ça. Bien. Vous avez dit malheureusement, il n'y avait aucun résultat. Oui, on n'a pas retrouvé, oui, tout à fait. On avait des résultats, mais il n'y avait aucun qui correspondait avec une personne disparue dont le parent a été prélevé. Entre la demande faite par vous auprès du laboratoire français et l'arrivée, n'est-ce pas, de ces éléments, il s'est écoulé combien de temps, professeur? À peu près, je crois, il faut compter maximum 2 mois. Pardon? Deux mois. En tant qu'expert, est-ce que durant 2 mois, un corps
qui est déjà enterré. Est-ce que ça peut perdre les recherches, les enquêtes en cours d'autopsie ou bien la recherche de l'ADN? Oui, tout à fait. Même 50 ans, 100 ans après, on peut rechercher l'ADN. Comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus l'ADN mitochondrial, la lignée maternelle, qu'on pourrait mettre en évidence. Ça, c'est pas lié au délai de décès, au délai post-mortem. Non. D'accord. Alors, une autre question, mais qui relève directement de le premier plan, la réception des corps. Le premier camion, le deuxième et le troisième, respectivement, sont venus aux environs de quelle heure? Après 20 heures. La après prière, 20 heures. À l'époque, c'était 19h30, comme ça. C'est après 20 heures. Après 20 heures. Très bien. Alors, au niveau de Doka, vous avez vu, à travailler avec la directrice Fatou Siké? Oui. Relativement à quoi ça concerne? Bon, écoutez, elle est la directrice de l'hôpital Doka. On a coordonné les activités ensemble avec son équipe. Chaque fois qu'il y avait, je vous ai dit, donné ici la liste des personnes décédées dans les services techniques à Doka, en neurochirurgie, aux urgences chirurgicales, en chirurgie viscérale. Donc, on collaborait ensemble. Chaque fois qu'il y avait un décès, j'étais informé. Et je collaborais à travers elle avec tous les médecins spécialistes dans ces différents services. Et je saisissais les dossiers médicaux, je me renseignais très bien de quoi il s'agissait, quelles étaient les lésions initiales, qu'est-ce qui a été fait, etc. Donc, en fait, on a géré ensemble. Bien. Professeur, il est reproché à Colonel Diaby des faits de non-assistance à personne en danger, selon l'ordonnance de renvoi. Je voudrais savoir, à travers ces deux comités, le premier comité de crise et le second, c'est le comité chargé de la gestion des corps. Dans l'un des deux cas, aucun de ces comités, le ministre de la Santé à l'époque ne faisait partie comme membre. Quelle est votre appréciation par rapport à cet état de fait? Moi, je ne réponds pas à cette question. Ce n'est pas mon domaine, ça. D'accord. D'accord. Alors, lorsque vous avez commis une équipe technique au sein de Doka, et vous étiez à Niazdine, vous faisiez la navette entre les deux? Oui. Pour le contrôle? Oui. Est-ce que durant votre passage, par exemple, à Doka, vous avez pu ou bien vous avez été victime de quoi que ce soit par des militaires, par exemple, qui sécurisaient le coin? Oui, bah, écoutez, encore une fois, quand je viens à Doka ou à Niazdine, je suis en blouse, je rentre sans aucune difficulté. Mais si je ne suis pas en blouse, j'étais arrêté par les militaires, ce qui est normal. Tout à fait. On me demande qui vous êtes, pourquoi vous venez, etc. Ça, c'est habituel. Partout, on trouve les hommes en tenue. Donc, c'est pour cette raison, chaque fois que je venais à Doka, je prenais soin de porter ma blouse. Bien, professeur. À une des questions du parquet, on vous a demandé, mais le cas des viols, etc., etc., est-ce que vous avez pu établir un certificat médico-légal? Et vous avez répondu non. Est-ce que vous avez la possibilité de s'auto-saisir? Mais écoutez, si je suis consulté, je peux très bien accepter de consulter et de délivrer le certificat médico-légal. Mais il appartient au juge de l'accepter ou pas. Parce qu'il n'est pas tenu. C'est pas lui qui m'a désigné. Mais c'est une preuve quand même que j'ai examiné et j'ai constaté des lésions. Parce que le problème avec les violences sexuelles, c'est qu'il faut le faire vite. Parce que sinon, il y a beaucoup d'éléments, de preuves qui vont disparaître. Donc moi, je n'ai pas eu l'occasion de les voir immédiatement après. Mais je suis certain que beaucoup de centres médicaux, comme vous l'avez cité, la clinique, ensuite ceux qui sont à Bambeto, il y a un centre médical à Bambeto qui les a reçus aussi, et puis le service de gynéco du professeur Namouni. Donc, tout ce qu'ils ont fait, c'est d'abord des médecins donc, qui sont capables d'examiner une femme victime de violences sexuelles, de dire s'il y a des lésions ou pas. La différence avec la médecine légale, c'est que nous, on va établir la durée d'incapacité totale de travail. Mais les premières lésions qu'on appelle lésions initiales sont examinées par tout médecin, surtout gynéco. Donc, ils peuvent le faire. Et puis, bon, dans le cadre de la commission d'enquête, moi, je m'en suis tenu à ça, aux examens, à la consultation des différents dossiers médicaux. Et
et puis à la description des lésions qui ont été faites dans ces rapports. Professeur, est-ce que le fait que vos actes sont authentiques, vous, parce que vous avez prêté devant les cours et tribunaux le serment, et un médecin qui est au centre de santé mère et enfant, qui établissait un certificat médical, les deux, c'est le vôtre qui vaut jusqu'à inscription en faux, oui ou non? Ah, ça, c'est le juge qui peut le dire. C'est le juge, c'est pas moi. Nous avons été inondés par des certificats médicaux ici, au point certains même font l'objet de doutes. Est-ce que un certificat médical de ce genre, établi par un centre de santé de Ratoma, et en face de votre certificat médical, devant le juge, est-ce que, selon votre expérience, quel est le certificat qui peut valoir force de loi? Tous les deux certificats. Et il faut savoir une chose. Oui. Dans notre code de déontologie médicale, tout médecin a l'obligation de délivrer un document pour son malade dans son intérêt, dans l'intérêt du malade. Un médecin qui est consulté pour délivrer un certificat médical des lésions que lui-même il a constatées, il a le droit de le faire. Il a le droit de le faire. Mais comme je vous ai dit, le juge, il est souverain. Il va dire que oui, je prends acte de ce certificat, mais je peux demander une contre-expertise. Le juge va dire oui, le médecin aussi, il sait. La délivrance d'un faux certificat est punie non seulement par le code pénal, mais par le code de déontologie médicale. Donc, il ne va pas le faire pour moi. Donc, s'il délivre un certificat, c'est en connaissance de cause, en sachant également qu'il a les qualifications requises pour le faire. Un gynécologue peut raisonnablement examiner une fille ou une femme victime de violences sexuelles, faire une description des lésions et puis signer et pour faire valoir quoi que voilà, pour faire valoir ses droits devant le tribunal. Peut-être ça sera mon avant-dernière question, professeur. Alors, par rapport à ce que vous venez de détailler, selon vous, quel est l'objet essentiel, le but essentiel de la médecine légale? Ah, la médecine légale, vous me posez maintenant la meilleure des questions. C'est le médecin des juges et le juge des médecins. D'accord. Ça, c'est la définition la plus simple et le but de la médecine légale. Médecin des juges, parce que c'est l'interlocuteur privilégié des magistrats pour toutes les questions médicales. Si vous avez des questions ici, quelle que soit la question, que ce soit génétique, que ce soit cause de blessure, que ce soit violence sexuelle, vous demandez au médecin légiste. Passez votre médecin. Il est le juge des médecins pour toutes les affaires de responsabilité médicale. Donc, c'est vraiment donc un partenaire privilégié des magistrats pour toutes les questions médicales. Même si quelquefois, il est devant les magistrats, il est stressé. Professeur. Oui. Je voudrais savoir. Allez-y. En ce qui concerne de l'ensemble des activités menées par vous avec votre équipe, étant un travail technique, est-ce que, à l'instar de vous, membres de ce comité technique, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui véritablement n'avaient pas la qualité, mais qui faisaient partie de ce comité? Non. Écoutez, moi j'ai travaillé avec une équipe de médecins. Vous savez, en médecine, il y a des étudiants qui sont en formation. Il y a des médecins qui sont en formation et qui ont appris dans le tas, qui ont le savoir-faire, mais peut-être qu'ils n'ont pas le diplôme. Donc c'est pour cette raison, comme j'ai dit au début, j'ai mis en place le 2S pour former, pour qu'ils aient une formation qualifiante, donc avec un diplôme. Maintenant, si j'ai des médecins, je vous dis, Gabriel qui a fait plus de 20 ans avec moi, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il y en a beaucoup d'autres comme lui qui ont de l'expérience. Donc, ils savent faire tout ce que je peux faire. Donc, ils sont avec moi. Et puis, les médecins même. Les médecins qui ont une formation, parce que la médecine légale fait partie de la formation générale de tous les médecins. Donc, ils ont une connaissance générale sur la médecine légale. Donc, on peut s'appuyer sur eux pour mener nos activités. Donc, je pense que
Encore une fois, c'est une équipe qui travaille. Ce n'est pas une seule personne, c'est une équipe. Bien. Puisque le parquet ne vous a pas réquisitionné pour établir de quoi que ce soit, est-ce que le procureur pouvait s'attendre à un rapport de vous? Bon, encore une fois, le procureur, c'est lui qui sait. S'il me demande aujourd'hui de lui envoyer un rapport de ce que j'ai fait, mais à volonté, je vais le faire. S'il me demande de faire tout ce que je viens de dire là, il me demande un rapport, je vais lui envoyer le rapport. Maintenant, comme je vous ai dit, ce rapport a des insuffisances, a des limites, pas des insuffisances, des limites. Les limites, c'est l'autopsie qui n'a pas été faite. Donc, on a l'examen extérieur. Et au besoin, si demain, on me demande, par exemple, on a besoin de faire une reconstitution au stade du 28 septembre, mais volontiers, je vais me prêter à la reconstitution. Cette reconstitution va nous permettre, à travers les lésions qui ont été observées chez les victimes, de déterminer la trajectoire du projectile, ça c'est extrêmement important, et probablement la position du tireur. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le résultat de l'examen extérieur, hein, sur les orifices d'entrée et les orifices de sortie. On peut faire la reconstitution. Donc si le procureur, comme il me l'a demandé, je vais déposer un rapport. Donc à date, jusque-là, il n'y a pas un rapport balistique, par exemple, versé au dossier de la procédure? Bon, c'est maintenant que le procureur m'a demandé. Il me demande, je vais le faire. D'accord. Pour terminer, professeur, quelle est votre appréciation sur la personne de Colonel Diaby? Je ne pourrais pas répondre. Merci, professeur. Monsieur le Président, merci. Monsieur Ba, sachant votre place dans la médecine légale en Guinée, est-ce que ces enquêtes devraient se passer? C'est? Ces enquêtes de police, selon vous? Oui, oui, la scène de crime, c'est classique, c'est connu. On devrait procéder à ces enquêtes de police, on devrait prélever les empreintes digitales, on devrait prélever éventuellement même les traces de sperme, les préservatifs, les instruments tranchants, les couteaux, les baïonnettes, tout ce qu'on a trouvé sur place, les canettes, tout ça c'est important pour la scène de crime. Est-ce que la scène de crime a été vraiment exploité par l'enquête? Moi, je n'ai pas été associé. Vous n'avez pas une idée? Mais je ne sais pas. Je n'ai pas été associé. Je n'ai jamais été appelé à la scène de crime. Normalement, la scène de crime, c'est le procureur, les membres du parquet, les officiers de police judiciaire, les médecins légistes, les experts en criminalistique. C'est nous tous. Mais moi, je n'ai pas été associé. Vous n'avez pas été associé? Non. Vous avez agi à un moment donné, suivant deux casquettes, en tant que médecin, docteur Hassan Ba, et vous avez agi dans une commission. Tout à fait. Est-ce qu'il a été question une seule fois d'aller voir au niveau des forces communes? Mais écoutez, moi, je n'ai pas connaissance de forces communes. Je vous ai dit que j'ai été membre de la commission d'enquête parce que j'ai représenté l'ordre des médecins. Et dans cette commission, il n'y avait pas que des médecins. Il y avait des magistrats, il y avait des avocats, il y avait des représentants des organisations de la société civile. Donc, je suis président de l'ordre des médecins depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, je les ai représentés là-bas. Oui. C'est à ce titre que je me suis retrouvé à la commission d'enquête. Et ce que j'ai fait là-bas, j'ai fait en tant que membre de la commission. Oui, en tant que membre de la commission. Je voudrais juste savoir, à ce niveau, est-ce qu'il a été question des forces communes une seule fois? Est-ce que la commission s'est penchée sur cette force commune, cette question? Cette question n'a pas été évoquée. Et même si elle a été évoquée, ce n'est pas au cours d'une réunion de la commission. Parce que dans la commission, on avait des sections. C'est-à-dire, moi, je m'occupais avec mon collègue de la santé de tout ce qui est médical. Il y avait ceux qui s'occupaient de la justice, ceux qui s'occupaient des enquêtes, etc., etc. Mais on n'en a jamais parlé. Voilà, on n'en a jamais parlé. En commission. L'avant-dernière question. Est-ce qu'on a essayé de relier les balles
À un auteur donné. Un auteur donné. Écoutez, est-ce que vous savez que avec les douilles qu'on a pu récupérer, on peut déterminer l'arme qui a tiré? Oui. Oui. Et si avec cette douille, on détermine l'arme qui a tiré, on peut raisonnablement identifier le détenteur de cette arme. Je pense que dans les camps militaires, lorsqu'on affecte une arme à une personne, elle est enregistrée au service armurerie. Et lorsqu'il est enregistré au service armurerie, on connaît telle arme a été affectée à telle. Et lorsque, à partir de la douille, donc le numéro de la douille, on retrouve l'arme qui a tiré, naturellement, on peut retrouver le détenteur de cette arme, même si ce n'est pas lui qui l'a utilisée, mais à qui cette arme a été affectée. Ça, c'est bien possible. Mais je crois que dans ce cas, en tout cas, les douilles qui ont été... Je vous ai dit, j'ai eu 3 orifices de sortie. Et je crois que j'ai 2 ou 3 douilles. Bon, si j'avais fait l'autopsie, par exemple, j'aurais pu retrouver les douilles à l'intérieur des corps. Et si tel le cas, théoriquement, c'est bien possible. C'est bien possible. L'autorité ne l'ayant pas fait. L'autorité ne l'ayant pas fait. Bon, moi, je vous ai dit qu'en fait, ce que la scène de crime nous aurait permis de faire et de faire avancer le dossier. C'est-à-dire que les douilles qu'on aurait pu retrouver sur la scène de crime, vous avez parfaitement raison, on aurait pu les exploiter pour retrouver l'arme qui a tiré et puis éventuellement le tireur. Ça, c'est une insuffisance au niveau des enquêtes. Bon, moi, je ne sais pas. Ok. En tant que médecin légiste, avez-vous été satisfait vraiment du travail de médecine dans ce travail du 28 septembre? Un dossier aussi important que celui du 28 septembre. Bon, moi, je suis satisfait de la tenue du procès. Je suis satisfait aussi du fait qu'on m'ait sollicité pour venir apporter mon témoignage. Pour moi, c'est une avancée. Oui, mais le travail de médecine légale dans les enquêtes du 28 septembre. Le travail de médecine légale, c'est le même. Depuis 1993, je suis rentré, je fais la médecine légale. Sans autopsie, rien, oui. Absolument. Non, mais maître, je vous dis, il y a beaucoup de corps ici que je fais pas d'autopsie, c'est parti. Il y a beaucoup de corps où je fais l'autopsie, où le rapport, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est notre débat. On veut indexer les uns et les autres pour dire que c'est des auteurs. Mais non. Scientifiquement, techniquement, on n'est pas allé au bout des choses pour vérifier et confondre les gens. Bon, moi, je ne réponds pas à la question. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Merci, Monsieur le Président. Distingués assesseurs, professeurs, oui. Bonjour. Bonjour. Alors, tout à l'heure, lors de votre déposition, vous avez parlé d'ADN. Et vous avez parlé de l'exhumation de corps pour poser l'ADN. Et qu'à la suite de cette analyse, il n'y a pas eu de conformité entre les personnes prélevées et les corps qui ont été testés. Alors, je voudrais savoir, est-ce que cela est dû au fait qu'il y a eu un manque de volonté de la part des personnes qui se revendiquaient proches de ces victimes, ou bien c'est parce qu'il y a eu un manque de communication à l'adresse de ces personnes? Bon, à mon avis, ni l'un ni l'autre. Vous savez, l'ADN, il est très difficile d'extraire l'ADN. Très. Ce n'est pas ma question. C'est pas si j'ai ça été... peut se situer à 2 niveaux. D'accord. D'abord, sur le plan technique, peut-être, on n'a pas pu très bien respecter toutes les procédures, le temps d'assèchement des eaux, la technique de prélèvement. Ça peut être
un prélèvement qui n'a pas été suffisamment complet. Ça, c'est un peu. Deuxième possibilité, c'est qu'on ne retrouve pas l'ADN. Parce que tout simplement, parce que vous savez, même les techniques d'identification et de séquençage de l'ADN ont évolué. Il faut dire que ça, c'est depuis 2009. Actuellement, vous reprenez l'ADN dans les mêmes conditions. C'est certain que si le premier examen est négatif, ils vont utiliser d'autres méthodes de séquençage pour encore aller plus loin. Donc moi, je pense que ce n'est pas au niveau des personnes qui sont soumises aux examens. Ce n'est pas aussi un manque de volonté, parce que je voyais que tout le monde, chacun veut retrouver son parent. Ça, c'est indiscutable. Mais la science, en fait, ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas parce qu'on a prélevé et puis tout de suite qu'on va retrouver l'ADN. On peut rechercher et ne pas trouver. Donc, je pense que, bon, ça a été comme ça. C'est comme ça, on n'a pas trouvé. Donc, si j'ai bien saisi, ça veut dire que le protocole n'a pas été observé à la lettre. C'est pas le protocole. Écoutez, lorsqu'on vous dit de faire une exhumation, c'est pas vous qui allez descendre. Vous faites descendre les gens à la fosse. Ils vont prélever le fémur. Ils vont prélever le bassin. Il y a des techniques de prélèvement que vous leur donnez. Ils vont le faire. Je suppose, pour moi, c'est bien fait. Donc, ils reviennent. On a des techniques au niveau du service que le laboratoire nous impose pour la préparation des échantillons avant de les emballer et les expédier. Donc, on a respecté toute cette procédure. Mais nous sommes allés dans un premier temps, comme j'ai dit, dans un premier labo, ce n'était pas le bon labo, ils ne pouvaient pas le faire. Il fallait encore retourner avec les échantillons. Donc, il y a eu beaucoup de manipulations. Et puis, avant de les envoyer dans ce laboratoire. Donc, moi, j'essaie de voir quelles sont les possibilités d'erreur qu'ils peuvent avoir dans ce cas. Ça, c'est possible. Je le mets d'abord à ce niveau. Deuxièmement, ils ont fait les examens. Et ils n'ont pas trouvé. Ils ont peut-être recherché l'ADN nucléaire et négatif. Ils n'ont pas peut-être tous les éléments pour faire l'ADN mitochondrial ou bien le chromosome Y pour rechercher à travers d'autres techniques à l'époque qui n'existaient pas, qui existent aujourd'hui, qui sont avancées. On n'a pas pu le faire. Et ils m'ont dit c'est négatif. Pour moi, je me résume à ça, c'est négatif. Donc, de là, je pense aussi, lorsqu'on a prélevé, ce n'est pas les 27 corps qui ont été prélevés. Peut-être que dans les corps qui ont été prélevés, il n'y avait pas un représentant de la famille parmi ces corps et les autres. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'éléments qui expliquent un peu, c'est négatif. Parce que ce qu'on a voulu faire, c'est de dire, est-ce qu'en prélevant un échantillon et en comparant avec certaines personnes qui ont accepté de donner leur sang et puis les cheveux et les ongles, on peut extraire l'ADN et faire une corrélation génétique. C'est ce qu'on a essayé. Mais dans l'échantillon prélevé, dans les deux cas, on n'a pas trouvé. Donc là, il ne faut pas trouver un problème à ça. D'accord, c'est compris. Alors, professeur, oui. Est-ce que à date, vous êtes à même de dire au tribunal combien de personnes avaient été prélevées? Je pense que j'avais prélevé pas beaucoup. Hein. Hormis Maître Bas. Oui, mais Maître Bas, je crois qu'il y avait 5 maximum. Pour 27 inhumés. Ben, je vous ai dit, c'est pas, on n'a pas prélevé les 27. On a prélevé quelques échantillons, peut-être de 3 à 5, pour essayer de voir la corrélation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable d'indiquer avec exactitude l'endroit où ces personnes avaient été inhumé au sein du cimetière Cameroun avec l'aide de la Croix-Rouge. Je vous ai dit, c'est pas moi qui les ai inhumés, c'est la Croix-Rouge. Mais la Croix-Rouge pourrait le faire, pourra le faire. Donc si la Croix-Rouge, avec l'aide de la Croix-Rouge, peut-être si la Croix-Rouge vous indique le lieu, je peux... Parce que, professeur, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites avec l'aide de la Croix-Rouge. Bon. Parce que vous-même, ici, lors de votre narration, vous avez soutenu que cette idée émanait de vous. C'est vous qui avez sollicité l'exhumation des corps
pour hein, des fins d'ADN. Ah, pour l'exhumation, je parlais de l'enterrement. Pour l'exhumation, oui. C'est là où on a enterré le corps qu'on est allé exhumer. Et je vais vous dire, monsieur, cher avocat, j'ai une équipe. Il n'est pas dit parce que j'ai demandé d'exhumer le corps que moi-même j'irai au cimetière. Ah, ok. Voilà. Mais donc, si j'envoie mon équipe, qui est composée de médecins et de personnes qui travaillent dans les morgues, et ils font le prélèvement, ils connaissent la technique, ils m'envoient le corps. Alors, l'équipe que vous aviez constituée à l'époque, ouais. Qui était, par exemple, responsable de cette équipe? Ben, je vous ai donné tout de suite le nom d'un de mes plus anciens dévoués collègues, le docteur. Qui est malheureusement décédé. Voilà. Y a-t-il un autre? Il y en a plusieurs autres. Qui étaient membres qui de sont cette... là. Vous pouvez citer un des éléments de cette commission? Je ne vais pas citer. Si vous avez besoin d'eux, je vous les mettrai à votre disposition. Est-ce qu'à la suite de leurs travaux, ils vous ont déposé un rapport comme cela se doit? Ce n'est pas un rapport qu'on m'envoie. Je les envoie, ils exécutent, ils viennent, ils me font le compte rendu. Vous les envoyez, ils exécutent, ils vous font un compte rendu. Oui, tout à fait. Le compte rendu, il est comment? Il est oral, oral, verbal? Il est verbal. Il est verbal, ouais. Ce n'est pas écrit? Non, ils n'ont pas besoin de m'écrire, parce que c'est moi qui écris. D'accord. Professeur, tout à l'heure, excusez-moi, en vous suivant, vous avez dit que tout médecin a l'obligation d'émettre un acte à la suite de son travail. Et cela n'est pas une contradiction quand vous dites que des médecins sont allés exhumer des corps, ont posé des actes, et par la suite, le compte-rendu, ce n'est que verbal. Alors que vous connaissez le dicton qui dit que le verbe s'envole, l'écrit reste. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pour indiquer à ce tribunal où ces corps ont été exhumés pour des fins d'ADN? Est-ce que vous pouvez indiquer? Vous ne pouvez pas, parce que c'était oral. Bon, je crois que, avec tout le respect que je vous dois, la confusion est à votre niveau. Ensuite, voilà, je veux savoir, ouais. Votre réputation, parce qu'elle vous précède, cela est dû au fait qu'il n'y avait pas d'autres médecins légistes dans ce pays, ou bien c'est parce que vous travaillez correctement? À vous déjà d'apprécier. C'est vous qui savez demander aux autres pourquoi j'ai cette réputation. Moi, je ne vais pas vous parler de moi. Voilà. Alors, ensuite, est-ce que ces corps sur lesquels on a pratiqué cette analyse ADN et qui n'a abouti à rien parce que le résultat était négatif? Alors, est-ce qu'on peut assimiler ces corps-là aujourd'hui aux disparus qui sont recherchés par les victimes dans ce procès du 28 septembre? Est-ce qu'on peut les assimiler à cela? Parce que ces corps-là, vous les avez exhumés. Aujourd'hui, on n'a aucun document pour attester l'identité de ces corps, pour savoir qui est enterré là-bas, où on les a enterrés. Est-ce qu'on peut les assimiler donc à ces disparus qui sont revendiqués de l'autre côté, selon vous? Mais attendez. Il ne faut pas nous ramener en arrière. Je vous ai dit ceci. 27 corps ont été enterrés au cimetière Cameroun. Oui. 27 corps non identifiés sur les 58. 31 corps ont été identifiés formellement. Je suis d'accord. D'accord? Jusque-là, on est d'accord? Oui. Sur les 27 corps non identifiés, lorsque j'ai siégé au niveau de la Commission nationale d'enquête, connaissant qu'il y a des corps non identifiés qui ont été enterrés, et de l'autre côté qu'il y a des parents qui sont à la recherche de leur corps, j'ai demandé à ce qu'on puisse faire des prélèvements ADN, faire une corrélation entre l'ADN de ces corps inhumés à Cameroun et l'ADN des personnes qui sont soumises au prélèvement. C'est ce qui fut fait. Et malheureusement, ce n'est pas 27 corps qui ont été prélevés pour des fins d'ADN. Vous imaginez 27 à transporter? On a essayé de prélever un échantillon, pensant que sur cet échantillon, avec un autre échantillon de personnes qui ont perdu leurs proches, on allait faire un croisement et retrouver leur ADN. Mais on ne l'a pas retrouvé. Monsieur Ba. Donc, professeur. S'il vous plaît. Oui, merci, monsieur le président. Monsieur Ba. Oui.
On veut comprendre. Hein. Vous savez, le tribunal même vous a posé beaucoup de questions sur cette partie. Vous avez dit, hein, à l'esplanade de la mosquée Faisal, 27 corps ont été, 27 corps ont été présentés. Est-ce que ces 27 corps-là ont été inhumés ce jour? Oui, monsieur le président, si je me rappelle, ce jour on est resté jusqu'aux environs de 16h-17h, on était là. Oui, est-ce que ces 27 corps... Ces 27 corps ont été embarqués devant moi dans des camions inhumés au cimetière de Cameroun. Est-ce que ça veut dire que ce jour, aucun corps n'a été restitué à l'esplanade de la mosquée Faisal à ses parents? Si, je pense que je pense qu'il y a eu des corps qui ont été, un ou deux corps qui ont été identifiés à l'esplanade ce jour. Je pense. Alors, vous savez, on a fait le décompte. Ouais. Vous avez dit qu'il y a eu 58 corps. 58 corps. Vous-même, à votre niveau, vous avez restitué 31 corps. 31 corps. Il est resté 28 corps. Il est resté 27 corps. 27 corps. Ouais. Ces 27 corps, vous dites que ces 27 corps ont été inhumés ce jour. Ouais. Exposés et après inhumés. Oui, le reste. Et quand vous nous dites encore qu'il y a un ou deux corps qui ont été restitués au niveau de l'esplanade? Non. Oui, peut-être voilà la confusion. C'est que... Les 27 corps non identifiés ont été exposés. Parmi les 27 corps non identifiés, je confirme qu'il y a eu peut-être deux qui ont été identifiés ce jour. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y en a eu au moins deux. Maintenant, c'est le reste là qui a été inhumé. Vous savez, quand vous faites des variations, le tribunal sera dans l'obligation de noter ces variations parce que nous, nous retenons tout ce que vous êtes en train de dire ici. Vous savez, le président, c'est que le temps aussi. Hein, vois que vous êtes en train de dire à Maître Chérif que les 27 corps ont été inhumés ce jour. Ça veut dire que ces 27 corps n'ont pas été identifiés. Et ils ont été inhumés ce jour. Pendant ce temps, vous êtes en train de dire au tribunal qu'il y a eu un ou deux corps qui avaient encore été restitués au niveau de l'esplanade. Qu'est-ce qu'on doit prendre? Oui, monsieur le président, encore une fois, 2009-2024, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'on doit prendre? Vous comprenez? Et aujourd'hui, je suis en train de voir, parce que lorsqu'on a exposé les corps, je me rappelle que les corps étaient décomposés. Mais je me rappelle effectivement que... Il a été décomposé. Allez-y. S'il vous plaît, n'interrompez pas le témoin. Voilà, certains corps, pas tous les corps. Mais, donc, je confirme effectivement qu'il y a eu maximum deux corps qui ont été... identifié et puis envoyé par les parents à partir de l'exposition des corps. Parce que je me rappelle encore alors, que... Alors, si on prend deux, ça veut dire 25 ont été inhumés. 25 inhumés. Bon, notez le graphique de cette variation. Continuez, maître. Merci, monsieur le président. Professeur. Oui. Une fois encore, sur les 25, puisque ce n'est plus 27, mais 25 ont été inhumés. Et sur les 25, combien ont été exhumés pour l'ADN? Avec précision. Sur les 25, je vous ai dit que j'ai exhumé... ce n'est pas tous les corps qu'on exhume. Dans la fosse, on récupère les membres. On a exhumé trois fémurs d'un corps. Trois fémurs, donc ça fait trois corps. Et puis, on a exhumé aussi deux bassins. Donc, après, on a exhumé cinq corps. Vous avez exhumé cinq corps. Cinq corps. Alors, est-ce que le fait d'avoir fait ce travail à mi-chemin, c'est-à-dire sur 25, alors qu'il y a des personnes non identifiées qui ont été, disons, inhumées, sont non identifiés. Pourquoi vous n'aviez pas pris soin d'exhumer la totalité de ces personnes pour au moins les comparer avec les cinq personnes, l'ADN des cinq personnes qui ont accepté
de venir pour ce travail, écoutez, cette analyse? Oui, écoutez, pour deux raisons. La première, c'est que je ne peux pas exhumer 27 corps et les embarquer pour envoyer pour l'exhumation. Ça, c'est un. Deuxièmement, encore une fois, on a voulu, dans un premier temps, faire un test de probabilité. Est-ce que dans ces corps, les prélèvements qu'on va faire ici, vous pouvez me faire la même question pour demander pourquoi je n'ai pas prélevé toutes les personnes ayant déclaré la perte d'un parent. Donc, j'ai prélevé, j'ai pris un échantillon. J'ai comparé avec l'échantillon des victimes que j'ai envoyé, mais je n'ai pas trouvé. À supposer, par exemple, que je trouve que, il y a un cas positif chez qui on a trouvé. Qu'est-ce que j'allais faire? Je vais dire au président du tribunal, je vais leur dire, bon, écoutez, il y a une forte probabilité que parmi les corps qui se trouvent dans cette fosse, qu'il y ait quand même des personnes qui ont leurs parents, qui ont perdu leurs parents qui se trouvent là. Alors, qu'est-ce que vont me dire? Faites une exhumation totale et prenez tous les corps. Voilà. Mais si le fait d'avoir essayé cette probabilité, c'est un problème, moi, je me... Peut-être... Pourquoi... Alors, c'est ce que je vous dis. Pourquoi je n'ai pas prélevé? Vous auriez pu me dire, il y a combien de personnes qui réclament avoir perdu leurs parents? Alors, prélever toutes ces personnes-là. Alors, pourquoi spécifique? Donc, on a essayé, on n'a pas trouvé. Sur cinq personnes. On a essayé sur cinq personnes, on n'a pas trouvé. Enfin, donc, et ça, ce n'était pas une mission médico-légale. Donc, c'était 20... une mission, s'il vous plaît, c'était une mission de la commission d'enquête. Pourquoi la commission n'a pas exigé à ce que vous continuiez sur les 20 autres corps? Ben, elle n'a pas exigé. Pourquoi? Ah, je ne sais pas. Pourquoi vous n'avez pas insisté? Ah, je n'ai pas insisté, je leur ai alors, donné... Disons, il y a 20 autres corps... Je pense que quand je suis revenu, j'ai eu le résultat. La procédure avait déjà commencé, c'est-à-dire l'instruction de cette affaire et tout ça. Parce que dès que je suis arrivé, je me rappelle, on m'a aussitôt appelé pour me demander d'envoyer mon rapport. Je l'ai déposé. Mais on ne m'a plus demandé. Si on m'avait demandé, j'allais... Parce que de toute façon, aussi, c'est l'État guinéen qui paye. On allait le faire. Continuez, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Bonjour, professeur. Bonjour, maître. Okay. Professeur, je voudrais savoir, au moment où vous intervenez, si je comprends bien vos explications, l'exposé que vous venez de faire, vous êtes intervenu en deux temps. Avant l'ouverture de toute enquête et après l'ouverture d'une enquête par la commission nationale dont vous étiez membre. C'est cela? Oui. Je ne me trompe pas, j'espère. Oui, parfait. Très bien. Vous, en tant que médecin légiste, en votre qualité d'expert, lorsque vous devez intervenir, n'est-ce pas, vous devez faire l'objet d'une désignation. Oui, ben écoutez, d'abord je suis médecin et c'est comme un médecin qui a l'obligation de recevoir un malade et de le soigner. C'est une obligation déontologique. En tant que médecin légiste, lorsque je suis mis en présence d'un corps, j'ai cette obligation déontologique de l'examiner et de donner les informations au moins opportunes. Et enfin, je voudrais vous dire quand même que ma mission, je suis un enseignant, je suis un chercheur, je publie. Je publie. Et d'ailleurs, ce qui fait que vous voyez, vous pouvez chercher sur Google, violence meurtrière dans l'espace public à Conakry, je l'ai publié. Donc, je ne peux pas croiser les bras pour dire oui, j'ai vu, je me résume à ça. Non, je fais mon travail. Mais ce que je sais que je ne peux pas faire sans la réquisition, je ne le ferai jamais. Professeur, lorsque vous êtes en présence d'un cas devant un cadavre dont la cause
de la mort n'est pas connue. Et que vous, vous devez intervenir pour pouvoir expliquer les circonstances de ces décès. N'est-ce pas, avez-vous, vous êtes obligé d'agir sur la base en vertu d'une réquisition. Maître, oui. Lorsqu'il y a mort d'homme devant un cadavre, la justice me demande, sur la base d'une réquisition, sur de déterminer les causes et les circonstances du décès. Lorsque quelqu'un perd un parent proche, il n'a pas besoin de la justice, il me demande. J'examine le corps, à sa demande, je fais l'autopsie et je lui donne les résultats. Dans le cas de figure, il y a eu mort d'homme au stade. Je suis d'accord, je devrais être saisi par une réquisition voilà. Pour faire le travail d'autopsie. Mais qu'à cela ne tienne. Très bien. Est-ce que je peux vous reposer la même question pour dire... Non, vous n'avez pas ces droits. Je n'ai pas le droit de poser la question, mais je peux vous dire aussi que, en tant que médecin, je dois répondre à la sollicitation de mes compatriotes. Lorsqu'on me dit, je veux savoir identifier mon parent, je ne peux pas croiser les bras. Je ne peux pas. Professeur... Je dois participer à la restitution des corps, à l'identification des corps. C'est une mission de fait. Est-ce qu'on est d'accord qu'un médecin légiste, lorsqu'il doit agir, il doit le faire dans les limites de la loi et que la loi, en pareille circonstance, voudrait que vous soyez désigné. Et je voudrais qu'en dehors de la loi, que vous m'indiquiez un autre texte qui vous permettrait d'agir en dehors de toute réquisition. Bon, moi je ne veux pas trop discuter vous sur les questions de droit. Lorsqu'il y a mort d'homme, le procureur délivre une réquisition pour me demander les causes et les circonstances dans le cadre de son enquête. Dans le cadre de son enquête, lorsqu'il y a mort d'homme en dehors d'un espace public, en dehors, parce que simplement c'est une famille, le procureur n'a rien à voir, je suis sollicité par une tierce personne pour le faire. Bon, sa question est précise. Voilà. Donc, l'espèce, est-ce que vous devriez agir sans les réquisitions du procureur? Voilà. Non, pour faire une autopsie, non? C'est ça. Donc. Pour faire une autopsie, non? Non. Et vous avez agi sans aucune réquisition. Nous y reviendrons. Non. Et ce n'était pas normal, professeur. Non, mais je ne suis pas d'accord. Hein. Et vous avez aussi parlé de l'exposition et de la restitution des 31 corps. C'était à quelle date précise? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça vous pouvez voir, parce que les vidéos existent, les journaux, moi je ne sais pas, je ne retiens plus ça. Parce que moi je ne m'attendais pas, comme beaucoup de personnes, à ce procès ou à venir parler de ça, je ne retiens plus. N'est-ce pas, avant l'ouverture des enquêtes par la commission d'enquête nationale dont vous étiez membre? Non, je n'ai pas été membre de la commission d'enquête. Avant l'ouverture de la commission d'enquête, oui. Oui, on a reçu bien avant. Voilà, c'était bien avant. Oui, bien avant. C'est ça. Vous avez dit ici, à moins que je ne me trompe, Je voudrais en avoir la précision. Vous avez été membre de la commission d'enquête. Oui, je suis membre de la commission d'enquête. Très bien. On continue. Vous avez eu à gérer les corps au niveau des deux morts. Quelle est la capacité d'accueil de chaque morgue? Je répète, cher maître, monsieur l'avocat, j'avais une capacité à l'époque de 10 corps à Ignacedine et je dis bien 14 corps à Donka. Pourquoi 14? Parce que c'est un bloc de 10
Pour les deux étaient à Niastin. On a délocalisé un bloc de 10 à Donka, plus un ancien bloc de 4 corps. Donc il y avait 14 à Donka et 10 à Niastin. Alors, ça veut dire que si nous prenons les capacités d'accueil des deux morgues, en tous, 24. Oui, 24. Alors, et vous, vous devriez gérer au niveau de ces deux morgues 58 corps. Oui, affirmatif. Alors, et ça veut dire que vous avez entassé des corps. Monsieur l'avocat, je vous ai dit que j'ai mis à certains endroits deux corps dans une même chambre. C'est passé même sur France 24. Tout le monde l'a vu. Oui, donc, ça dépend aussi de la corpulence des corps. Il y a des corps, bon, je ne sais pas, je ne vais pas vous citer, qui ne peuvent pas rester deux dans une chambre. Donc, on a essayé de voir qu'est-ce qui est possible pour conserver le corps. Je voudrais quand même que vous mettiez dans l'esprit de celui qui était à l'époque en charge de la gestion de ces corps. Et notre première difficulté, notre première préoccupation n'était pas tout ça. C'était de dire comment est-ce que je pourrais loger tous ces corps-là, sans pour autant que ces corps ne se décomposent. C'est ça ce qu'on savait. Et c'est pour cette raison qu'on était obligé de mettre deux à deux les corps dans certaines chambres. Et les corps qui ne pouvaient pas rester à deux, on les a laissés seuls. Vous savez que des témoins ont comparu ici qui ont fait état de ce que des corps étaient entachés les uns sur les autres. Est-ce que dans ces conditions-là, votre mission qui visait à conserver l'état de ces corps, est-ce que cette mission n'a pas été un échec? C'est vous qui le dites, je vous laisse, vous êtes responsable de vos propos. Mais ce n'est pas à vous, c'est à moi qui l'a posé la question. Maître, calmez-vous. Voilà, donc... Calmez-vous, maître. Maître, calmez-vous. Je vous laisse le soin de vos réponses. Moi, je dis et je répète, ce n'est pas à moi d'équiper les chambres froides. Je pense que ça, vous devez le comprendre. Est-ce que vous êtes fatigué ou vous voulez continuer? Oui, parce que ça commence. Hein. Mais je vais essayer. Ce n'est pas à moi d'équiper les chambres froides, d'installer les chambres froides dans les hôpitaux. Ce n'est pas ma responsabilité. Ce n'est pas non plus à moi de mettre les moyens à la disposition pour pouvoir pratiquer les soins de thanatopraxie. Ce que je pouvais faire professionnellement, humainement, c'est ce que j'ai pu faire. Et mettre les corps deux à deux, je suis tout à fait d'accord que c'est un gros problème parce qu'en fait, les conditions de rafraîchissement, parce que pourquoi on met les corps dans les chambres froides? C'est pour rafraîchir, pour étaler la putréfaction de ces corps. Et donc, lorsqu'on les met deux à deux, c'est vrai que la fraîcheur n'est pas suffisante pour pouvoir les garder le plus longtemps. C'est pour cette raison, en plus de la mise en place, des corps dans les chambres froides, les corps étaient préparés. Les corps ont bénéficié des soins de thanatopraxie. D'accord? Donc, et les corps qui étaient mis en chambre froide, et les corps qui sont restés sous la paillasse ont été traités. Vous avez également parlé des corps qui n'ont pas pu être identifiés et qui ont été inhumés par la Croix-Rouge. Vous le maintenez? Mais je maintiens que c'est la Croix-Rouge qui est en charge de l'inhumation des corps. Merci. Et à propos, je voudrais savoir, est-ce qu'au niveau de nos deux CHU, il n'existe pas des structures qui s'occupent de l'inhumation des corps en pareilles circonstances? Non, vous dites en pareilles circonstances. Oui. C'est-à-dire que lorsque il y a des morts d'hommes, on appelle crime dans un espace public, vous-même vous l'avez dit, il appartient au procureur. Est-ce que lui, il va désigner une structure appropriée pour faire cette inhumation? C'est lui qui le sait. Mais dans les conditions normales, en dehors du cas du 28 septembre, il y a des sociétés de pompes funèbres qui s'occupent de l'inhumation des corps. Des sociétés des, j'ai pas bien... De pompes funèbres. Mm-hmm. C'est les sociétés de pompes funèbres qui gèrent l'inhumation des corps.
D'accord. Mais dans notre pays, je crois qu'il n'y a qu'une seule société de pompes funèbres et elle n'a pas été sollicitée. Et si c'est généralement les particuliers qui sollicitent l'enterrement par les... Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Ouais. Elle n'a pas été sollicitée, c'est généralement les particuliers qui sollicitent la société de pompes funèbres pour l'inhumation. C'est tout simplement regrettable de relever que l'on fasse appel à la Croix-Rouge, on laisse les structures internes. Je vais continuer. Je peux m'asseoir? J'avais le choix, oui. Je vous l'avais dit dès au début. Réajustez les micros, s'il vous plaît. Et lorsque la Croix-Rouge procédait aux inhumations de ses corps, étiez-vous présent? Non. Et qui a mis les corps à la disposition de la Croix-Rouge aux fins d'inhumation? Le service des armées. Le service des? Des armées. Ok, ça veut dire que l'armée était fortement impliquée dans la gestion des corps. C'est à vous de le dire, moi je ne sais pas. Ah oui? C'est vous qui êtes là, s'il vous plaît. Le problème est que, monsieur le président, c'est des questions répondues. Parce qu'en réalité, je vous ai dit, au stade, au cimetière, il y avait le service médical des armées. Il y avait les militaires. Il y avait... Il veut savoir si l'armée était fortement impliquée dans la gestion des corps. Bon, la gestion des corps, c'est pas... Non, elle n'est pas fortement impliquée. L'armée était là. Une autre question. C'est elle qui a déposé les corps. C'est elle qui était aussi, qui assurait la sécurité des corps. Mais la gestion des corps était une gestion médicale dans les morgues. Est-ce qu'au moment où on remettait ces corps à la Croix-Rouge, où l'armée, vous l'avez dit, remettait ces corps à la Croix-Rouge, est-ce que monsieur le procureur compétent était présent? Non. Très bien. Vous avez également, en réponse à l'une des questions posées par le procureur Sidiki Camara, vous aviez dit que c'est sur vos conseils que des corps ont été exhumés pour des fins de tests ADN. Vous le confirmez? Bon, écoutez, j'ai dit que j'étais membre de la commission d'enquête. Et dans la commission d'enquête, il y avait une commission santé. J'étais président de cette commission santé. J'ai proposé. Voilà. J'ai proposé, sachant déjà qu'il y avait des corps non identifiés qui sont inhumés à Cameroun, j'ai proposé qu'on fasse des prélèvements ADN et qu'on envoie les échantillons en France pour faire des croisements. Ça, c'est ce que je suis en train de dire. C'est sur vos propositions. Oui, absolument. Voilà. Et lorsque vos propositions ont été acceptées, vous avez mis à contribution votre équipe. Absolument. Voilà. Et votre équipe a procédé à des prélèvements. Tout à fait. Alors, et ça, c'était à un moment où déjà les enquêtes étaient ouvertes, oui ou non. Puisque la commission d'enquête était en train de travailler. Oui, ça c'est au cours des enquêtes, oui. La commission d'enquête était en train de travailler. Parce que cela est normal. Qu'on procède à des prélèvements, permettez-moi, qu'on procède à des prélèvements pendant que les enquêtes sont ouvertes sans que cela ne soit référé à monsieur le procureur. Trouvez-vous cela normal? Mais, écoutez-moi très bien. Moi, je ne cherche pas à savoir ce qui est normal ou pas normal. Je vous dis ce que je fais. Et ce qui s'est passé. C'est à vous d'apprécier, c'est normal ou pas? Oui, mais ce que vous faites doit être conforme à la légalité. Ah, moi, je me suis toujours conformé à la professeur, légalité. C'est ça. Un médecin légiste agit dans les limites de la légalité. Je me conforme à la légalité. Tout ce que j'ai fait en 29 ans de travail et d'exercice de ce métier. Est-ce que vous savez qu'en procédant à des prélèvements, que cela constitue un travail technique qui est du ressort d'un médecin légiste? Mais ce sont des médecins légistes, des médecins qui travaillent avec moi, qui sont allés avec un protocole, qui ont fait les prélèvements.
Est-ce que vous savez que vous, en faisant agir des personnes sous votre autorité, hein, dans le but de procéder à des prélèvements, alors que vous êtes en même temps membre de la commission d'enquête, que vous étiez à la fois en train d'agir comme membre, comme enquêteur, et en même temps comme expert sur le terrain. Mais n'est-ce pas une confusion de qualité? Non, monsieur l'avocat. Et vous savez pourquoi je suis allé dans la commission d'enquête? Oui, allez-y. À deux titres. D'abord parce que je suis médecin légiste et je suis président de l'Ordre des médecins. Est-ce que vous pouvez me dénier le pouvoir, en tant que médecin légiste, de faire un prélèvement et d'utiliser les personnes de ressources qui sont capables de m'aider à faire ce travail? Lorsque vous êtes enquêteur, vous ne devez pas le faire. Écoutez, lorsque vous êtes enquêteur, permettez-moi, s'il vous plaît. La loi est très claire. Hein? Lorsque vous êtes enquêteur, un enquêteur qui se heurte à des questions d'ordre technique, il doit en référer au procureur pour qu'un expert soit désigné. Vous ne pouvez pas être membre de la commission en tant qu'enquêteur et en même temps intervenir en tant qu'expert. Ça, c'est une confusion de genre. Alors, moi, je ne trouve pas la confusion parce que cette enquête a été, cette exhumation a été initiée par la commission d'enquête. C'est la commission d'enquête, ce n'est pas le procureur qui a initié cette exhumation. C'est la commission d'enquête. Je suis membre de cette commission d'enquête. J'ai utilisé les ressources que je dispose pour pouvoir faire ce travail et je l'ai fait et je pense que je l'ai bien fait. Où sont les rapports auxquels vous avez abouti comme résultat en ce qui concerne toutes les opérations que vous avez illégalement accomplies? Bon, le rapport demandé à la commission d'instruction, le rapport a été déposé, je vous ai déjà dit ça. Les rapports de vos prélèvements, je parle. Mais quel rapport de prélèvement? Oui, il n'y en a pas. Rapport de quel prélèvement? Oui, les prélèvements qui ont été effectués par l'équipe évoluait pendant les enquêtes sous votre autorité. Monsieur et non sous l'autorité de la justice. Monsieur l'avocat. Maître. Je répète. C'est la commission d'enquête qui a initié cette exhumation. Ce n'est pas le procureur. Hein. Je répète que si je suis allé faire des prélèvements, ce n'est pas un rapport de prélèvement que moi je dois déposer à mon mandant. C'est un rapport du résultat des examens que j'ai réalisés. Voilà. Donc, ce n'est pas ici qu'on va me demander de me faire un rapport de prélèvement. Je n'ai rien à faire par ça. Écoutez, vous avez eu à procéder à des opérations qui ont même précédé l'ouverture des enquêtes. Et vous avez eu à décrire ces opérations ici. Et malheureusement, ces opérations ne sont pas suivies des dépôts de rapports. La conséquence, monsieur le ministère public et même le tribunal, vous ont demandé de déposer ces rapports. Pourquoi vous avez agi ainsi? Je vous répète, monsieur l'avocat, que je n'ai pas de réquisition. Et je vous informe également, parce que vous êtes avocat, que pendant mon exercice, je répète, près de 30 ans de médecine légale dans ce pays, et j'ai toujours déposé mes rapports, et à temps, quand je suis réquis. Si je n'ai pas déposé de rapport, c'est parce que je n'ai pas de réquisition. Cette fois-ci, la seule fois que la commission d'enquête m'a demandé de procéder à des prélèvements pour effectuer l'ADN, j'ai reçu les rapports, le rapport a été déposé. Nous ne l'avons pas. Là, vous voyez, vous n'avez déposé ni de rapport avant l'ouverture des enquêtes, vous n'avez déposé des rapports après l'ouverture des enquêtes. Et je vous donne lecture des dispositions de l'article 77, là, puisque vous voulez nier l'évidence du code de procédure pénale. S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toute personne qualifiée, sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 260. Les personnes ainsi appelées
prêtent par écrit serment d'apporter leur concours à la justice en leur conscience et en leur honneur. Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Vous voyez, lorsqu'une question d'ordre technique se pose à un OPJ, à une juridiction, et qu'il s'agit d'une juridiction d'instruction ou d'une juridiction de jugement, alors et ces autorités-là peuvent désigner un expert. C'est cet expert-là qui procède. Et malheureusement, vous n'avez pas été réquisitionné. Je me demande à quoi les rapports que vous entendez déposer vont servir. Voilà. Encore une fois, monsieur l'avocat, vous faites une confusion. Cette expertise n'a pas été demandée par le parquet. Elle n'a pas été demandée par un juge. Elle a été demandée par une commission d'enquête qui a été mise en place pour la circonstance. Si je devrais déposer un rapport, et d'ailleurs ce que j'ai fait, je dois déposer le rapport à la commission d'enquête. C'est à la commission, je vais finir. Oui, finissez. Parce que vous ramenez tout en droit. Moi, je peux vous ramener sur le code de déontologie. Me dit qu'obligatoirement, j'ai l'obligation. Je parle, même si vous n'avez pas de texte de loi. Voilà, parle de texte de loi. Tout n'est pas droit pénal. Si. Parce que, vous ne mettez pas tout ça dans le cadre de droit pénal. On est dans la procédure pénale. Non. Alors, moi, je vous oppose le droit de la déontologie. Oui, quelle disposition? Sortez-moi. Moi, je ne regarde pas de vos dispositions. Tout médecin a l'obligation de répondre à sollicitation de ses malades. Donc, dans le cas précis, j'étais dans l'obligation d'examiner et de procéder à l'identification des corps. C'est non discutable. C'est la déontologie médicale. Maintenant, vos dispositions de loi pénale, gardez-les. Moi, je vous dis en plus, au niveau de la commission d'enquête, ce n'est pas le tribunal qui nous a requis. C'est la commission d'enquête. Et le rapport que j'ai envoyé de Paris, je l'ai envoyé à la commission d'enquête. Et c'est le rapport-là qui a été déposé à la commission d'instruction du tribunal. Donc, vous n'amenez pas tout au tribunal, au procureur et tout quand, ça. Vous savez que lorsque vous agissez en tant que professionnel, on vous demande d'agir par rapport à un cas de mort. Lorsqu'il est question de déterminer la cause de ce cas de mort, vous devez avoir à l'esprit que vous devez agir conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Il n'y a aucune autre disposition palliative en la matière. Et vous ne l'avez pas fait, il faut le reconnaître au moins. Merci, Monsieur le Président, j'en ai terminé avec lui. Professeur. Oui, maître. C'est bien vous, le professeur. Moi, monsieur l'avocat, le professeur. Je vous rends de grands hommages parce qu'on a fait avec vous de grands boulots, hein, de très grands boulots. Vous avez rendu de très grands services à la nation. Hein. Là, il faut le reconnaître. Merci. Vous êtes un monument, une illustration. Une espèce, si vous étiez un animal, on devait vous mettre dans des eaux. On voudrait vous garder. Vous êtes une espèce en voie de disparition. Merci. Question. Parce que le président n'aime pas trop les choses comme ça. Où sont partis les corps? Parce que mon confrère a parlé de beaucoup de choses. Parce qu'il y a un autre témoin qui doit venir dont les questions doivent vous concerner. Où sont partis les corps de nos compatriotes? Où sont partis les corps? Ça, c'est une question, maître, une très bonne question. À laquelle, malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre. Je vous ai dit où sont partis. Vous avez livré les corps pour les envoyer où? Les 58 corps. Oui, il y en a plus. Ah bon, c'est vous qui le dites. Ah oui, j'ai des données moi-même. Ah ben c'est parfait. Alors, où sont partis le reste des corps? Mais je vous repose la question si je pouvais le faire, parce que moi je n'ai pas l'information. Vous avez livré combien de corps? Il faut qu'on revienne sur la question, le président n'aime pas ça. Hein? Oui. Où sont partis les corps? Je vous pose la question, où sont les corps?
C'est vrai, on ne pose pas ici des questions aux avocats. Voilà, vous devez répondre. Oui, mais je ne sais pas. Où sont partis les corps? Voilà, contentez-vous de répondre. Oui, je ne sais pas, je ne sais pas. Allez-y avec une autre question, maître. C'est vous qui avez livré les corps pour quelle destination? Monsieur... Vous savez que je vous aime bien, je vous respecte beaucoup. Oui, moi aussi. Mais vous savez, moi aussi, ça me rappelle un de vos brillants confrères qui dit que la justice est un jeu. Mais moi, je ne m'amuse pas. Ah oui, c'est Jacques Vergès qui l'a dit. Hein? Voilà, Jacques Vergès l'a dit. La justice est un jeu. Il veut connaître la destination des corps, s'il vous plaît. La justice est un art. Je n'en sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas contre vous, je vous admire. Oui, il n'y a pas de problème, maître, c'est gentil. Vous ne semblez pas le comprendre. Hein? Je vous en prie, merci, c'est gentil. Aidez-nous, ce n'est pas vous qui avez tué. Ouais. On vous a envoyé des morts. Vous avez juré. Mais le problème ici... Attendez la question, s'il vous plaît. Ouais, soyez patient, attendez jusqu'à ce qu'ils finissent de poser la question. J'ai une grande amitié pour vous. Vous ne savez pas. Merci. Une très grande amitié. Hein? C'est gentil. Merci. Oui. On a géré de grands dossiers ensemble. Tout à fait. Mais à la guerre, comme à la guerre. On vous a donné, vous avez livré les corps pour vous dire qu'ils vont les envoyer où? Il a répondu à cette question. D'accord. Je vais vous délivrer le reste du questionnaire. Mais sachez que vous avez un poste trop stratégique, c'est ça? Oui. Et je vous remercie d'avoir aidé à beaucoup d'inhumations dans ce pays. Merci. Et d'avoir produit beaucoup de rapports. Que même le parquet de Dixine, que ce parquet ne connaît pas, hein? Et n'a pas produit dans le cadre des manifestations. Non. Je vous félicite. Hein? Des questions? Pas de questions, félicitations. Merci, maître. Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Vous avez déclaré ici que vous avez à votre niveau 3 ou 5 tuyaux. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? 3 à 5 tuyaux. Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Les tuyaux, tuyaux. Ah, tuyaux, oui. Combien exactement? Bon, vous savez, en fait, j'ai une collection de tuyaux. Toutes les douilles que je reçois, que ce soit dans le cas du 28 septembre, j'en ai 3, mais tous les cas de mort que vous connaissez, oui. Voilà. Exactement. Bon, ça, toutes ces questions-là, c'est dans le cadre du 28 septembre. 28 septembre. Bon, j'ai 3. 3. Oui. Et ces 3-là sont à votre niveau? À mon bureau, à Yastin. Vous les avez où? Où est-ce que vous les avez eus? À la morgue. À la morgue. Ouais. Comment? Est-ce que vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, sur les 9 corps, on avait 3 orifices de sortie. Oui. Je vous ai dit ça. Oui. Et j'ai retrouvé les balles, parce qu'il arrive que les balles sortent et qu'ils tombent immédiatement. Et les personnes qui ramassent les corps, les ramassent parce qu'on a eu des corps qui sont venus avec, dans des gaines. Les corps étaient mis dans des gaines. Donc, on a ramassé les balles qui sont tombées, qui étaient à l'intérieur des gaines. On les a retrouvées. Maintenant, il y a les corps qui ont des orifices d'entrée et pas d'orifices de sortie. Les balles étaient à l'intérieur. Donc, c'est des balles qu'on a retrouvées dans les gaines où étaient emballés les corps. Oui, et est-ce que, à ce niveau, professeur, vous pouvez nous dire
personnes, les corps dans lesquels ou sur lesquels vous avez retrouvé les douilles là, est-ce que, non, suivez, attendez, oui. Est-ce que ces personnes-là relevaient des personnes identifiées ou non identifiées? Bon, parce que votre déposition est cruciale pour cette, cette procédure. Effectivement, je ne saurais le dire parce qu'en réalité, comme je vous ai dit, j'ai essayé de classer les corps. Avant même tout, parce qu'au début, tous les corps étaient non identifiés. J'ai mis les corps par arme à feu, j'ai mis les corps par arme blanche, j'ai mis les corps qui n'avaient pas de lésions et qui présentaient des signes d'asphyxie mécanique. Je les ai mis en trois groupes. Donc, les corps étaient venus dans des gaines, donc on les a sortis. Et comme je disais, les éléments antémortem et tout ce qui va avec et tout ça qu'on a retrouvé, on l'a mis dans un sac. Donc, c'est dans ça que j'ai retrouvé. Aujourd'hui, me dire, est-ce que c'est les corps non identifiés ou identifiés, que non. Tout ce que je peux vous dire, c'est les corps identifiés qui avaient des traces de balles et les corps identifiés, combien de corps non identifiés qui avaient des traces de balles. Donc, vous ne pouvez pas dire ça. D'accord. Professeur, vous avez dit que en votre qualité de membre de la commission d'enquête nationale, que vous avez reçu pouvoir de cette commission de procéder à des expertises. Oui. N'est-ce pas? Tout à fait. Je veux savoir, est-ce que c'était un pouvoir ou des instructions données verbalement ou bien c'était par écrit? Si c'était par écrit, c'était par quel acte? Je crois à l'époque, le ministre de la Justice avait fait un écrit. J'avais fait un écrit parce que c'est à travers cet écrit que j'ai pu voyager avec les échantillons et les envoyer à Paris. Oui, non, moi je ne parle pas de l'écrit par lequel les formalités administratives ont été accomplies pour faciliter votre déplacement à l'extérieur, mais pour les opérations, pour l'accomplissement des actes matériels. Non. Est-ce que la commission a pris un acte, la commission d'enquête a pris un acte par lequel vous avez été désigné? Je crois que c'est consigné en tout cas dans un procès verbal. Parce qu'à la suite d'une réunion, le président de la commission d'enquête, c'est un magistrat, donc il connaît toute cette procédure. C'est à la suite d'une réunion qu'ils ont décidé. Et puis voilà, on m'a demandé de le faire. Bien. Vous confirmez que les douilles retrouvées que vous avez vues à l'occasion du 28 septembre, les trois douilles. Vous confirmez que c'est des douilles provenant des armes de guerre? Je confirme. André Kalachnikov. Kalachnikov, excusez-moi, c'est trop russe. Voilà. En d'autres termes, les PMAK. Les PMAK. C'est ce que nous connaissons mieux ici. Vous confirmez que vous n'avez pas vu de douille provenant d'un Colt 45 pistolet pendant tout ce que vous avez eu à faire? Non, non. Vous ne l'avez pas vu? Je ne l'ai pas vu. Mais vous savez, les Colt 45, les types André Kalachnikov, qui sont des PMAK, des pistolets mitrailleurs automatiques, ont à peu près les mêmes orifices d'entrée. Et les mêmes orifices d'entrée au niveau de la zone d'impact. Donc c'est très difficile sur la base vraiment de l'examen des orifices d'entrée et de sortie de dire que c'est un pistolet mitrailleur ou c'est un pistolet. C'est très difficile. Ce qu'on peut dire, c'est des armes de calibre 22, de calibre 7 mm ou de calibre 12 si c'est les armes à plomb, hein, qui ont une localisation particulière. Les douilles là, est-ce que peuvent être déposés au greffe du tribunal? Oui, pas de problème. Bien. Et vous avez dit également que même maintenant là, qu'il est possible de procéder à la reconstitution des faits. Absolument. Je crois que le tribunal avisera temps opportun. Et pour terminer avec vous, professeur, oui.
depuis le 28 septembre jusqu'à la fin des inhumations, est-ce que vous avez eu au moins à rencontrer une femme ou une fille quelconque qui vous a fait état des violences sexuelles? Oui. C'était à quelle occasion? Bon, comme je crois que j'ai dit ça à mon introduction pour dire que, en qualité de médecin, j'ai reçu une ou deux femmes qui sont venues me voir pour me demander de les examiner et de rédiger un rapport parce qu'elles veulent voyager pour se soigner à l'extérieur. Et dans les pays où ils veulent partir, on demandait que ça soit un rapport médico-légal. Il y a une dame d'ailleurs qui m'a demandé, qu'elle a contacté un médecin à Dakar, qui m'a dit que c'est moi qui devrais rédiger ce rapport. Donc je me rappelle de cette femme et je l'ai reçue à Niasdine, j'ai fait son rapport. Et les 27 corps non identifiés, où est-ce qu'ils se trouvaient après l'exposition à la mosquée Faisal? Où est-ce que ces 27 corps se trouvaient? Après l'exposition, on les a enterrés. Vous les avez enterrés? Oui, la Croix-Rouge en compagnie de certains militaires au cimetière de Cameroun. Là, je suis témoin, j'ai vu les camions partir en direction du cimetière. J'étais arrêté à la mosquée. Donc vous êtes formel que lors de l'exposition des corps là, il n'y avait pas les 57 ou 58. Non, je suis formel. Vous êtes formel là-dessus. Je suis formel. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La défense n'a plus de questions. À la reprise, on va commencer avec la partie civile. L'audience est suspendue.